Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 26 janvier. Il est actuellement 9h58. J'ai mon cours qui a débuté à 8h. J'ai loupé 25 minutes de cours parce que j'ai pas réussi à me lever. Mais au moins, ce qui est cool, c'est que c'est en distanciel, donc ça, c'est vraiment bien. En même temps, c'était un petit peu obligé parce qu'on est 700 personnes à suivre un cours dans un amphi de 200 personnes. C'est pas possible. Du coup, ce matin, voilà, petit café, je me suis fait un petit déj vraiment très rapide à faire. J'espère qu'il va être bon parce que c'est la première fois que je teste ça. J'ai pris des yaourts Envia, la vanille, des fruits congelés que j'ai décongelés de la veille, raisins et bananes. Donc là, ce matin, j'ai mon cours de gestion financière. Voilà, enfin, je trouve que c'est un peu des rappels. Parce qu'on l'a vu en comptabilité, on l'a vu en macroéconomie. Enfin, c'est que des rappels, je trouve, mais je pense que ça va se corser au fur et à mesure. J'avoue, j'ai un petit peu de mal à organiser mon cours directement, parce que la prof, elle va très très vite. Et moi, généralement, les cours où c'est full diapo, j'ai un petit peu du mal, parce que c'est dur à organiser, à insérer les images, ça prend du temps. Donc en fait, avec ce genre de cours, soit on annote les diapos directement, comme ça c'est fait. Ah mais moi j'aime pas ça. Soit on fait comme moi, on écrit, on rajoute les diapos en tant que image. Donc là c'est vraiment le bordel, j'ai loupé en plus l'introduction, donc faut que je rattrape mes 25 minutes de retard là. Donc le programme du jour, écoutez, ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvé, ça va faire 2 semaines. J'avais un petit coup de mou. Vraiment j'avais, enfin je l'ai encore un petit peu quand même, je vais pas vous mentir, mais j'espère que ça va vite passer. Le programme de la journée, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer parce que j'ai fait des achats à Action. Je fais des achats un peu partout en fait, à Truffaut, enfin un peu partout. Donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Je finis mon cours à 11h, donc dans 1 heure, donc ça va. Et ce qui est cool cette semaine, c'est qu'on n'a pas nos TD. Ça commence que la semaine prochaine. Bref, ça va être un petit vlog un peu chill, 24h avec moi en tant qu'étudiante. Je vais vous faire un vlog la prochaine fois sur mon organisation post-partiel et pendant partiel. Je vais vous montrer un peu comment je fonctionne, etc. Donc ça va être dans un prochain vlog. Mais aujourd'hui, ça va vraiment être chill, tranquille. Vraiment, il faut que j'aille à Carrefour acheter 2-3 petits trucs. Enfin voilà, ça va être vraiment très très chill. Alors on m'a beaucoup demandé d'où venaient ces verres. De base, je les achète sur AliExpress, mais je les ai trouvés à Lidl. Alors c'était 2 comme ça pour 7€. Et vous en avez aussi 3 un peu plus petits, mais carrés, pour je crois 8€. Un truc comme ça. Ou un peu plus, je sais plus. Mais en tout cas, les deux, ils sont vraiment bien. Je pense que... Enfin, je vais essayer d'y retourner tout à l'heure. Et je vais en reprendre parce que vraiment, ils sont super bien. Enfin, en fait, ce qui est bien avec ce genre de verre, c'est que tu peux toucher. C'est pas brûlant. Ah oui, mais tu sais qu'elle est revenue. Bah, vous m'avez pas vu. Hop. Bah oui, parce qu'ils t'ont pas vu sur YouTube. Vu sur Insta, mais pas YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. C'est ElisaBRTOff. Je vous avoue, vous êtes beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans ma vie que sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre. Voilà, on rigole pas mal. Ah, ticket. Bah oui, mon amour. Donc, elle est rentrée il y a 15 jours, je crois. Donc, bref, je vais manger. J'ai une tête déterrée, j'en peux plus. En même temps, qui fait cours à 8h du matin? Personne. Hier, j'avais cours à 8h du matin. On a tous attendu devant l'ordinateur parce qu'on pensait qu'elle allait le faire en distanciel. Mais absolument pas. On s'est retrouvés gros comme des cons. Du coup, j'ai loupé marketing. Donc, après, je suis allée en maths, en présentiel. J'ai revu mon cher prof adoré qui est horrible en notation. Et demain, j'ai une grosse journée. Demain, j'ai sport à 9h et je finis à 17h30. Et en fait, ça s'enchaîne. Je fais 9h, 10h30 le sport, 11h, 14h stratégie industrielle, 14h30, 17h30 contrôle de gestion. Oh, contrôle de gestion, je suis trop contente parce que c'est notre prof. Eminci, c'est un super bon prof. Vraiment, si vous l'avez à Paris 1, il est même au magistère de finance aussi. C'est un excellent pédagogue. Franchement, il est très très bien. Cet homme-là, c'est vraiment un goal de vie. Il a tout fait, il sait tout. Donc ça, franchement, Eminci, il est vraiment bien. J'ai choisi aussi stratégie industrielle en option parce que c'est mon prof de maths de L1, Monsieur Lombardo, je crois que c'était ça. Et il est très très bien aussi, très pédagogue. En fait, j'ai choisi mes options en fonction des profs. On les connaît, on sait comment ils fonctionnent. Et sinon, dans pas du temps, je trouve qu'il est vraiment plutôt pas mal. Hein. Franchement, après, il y a quelques petits trous, mais franchement, là, si mercredi, elle fait tout le temps en distanciel, c'est vraiment parfait. Genre, je suis tranquille, vraiment trop tranquille. Et j'ai vu aussi un fascicule de TD qui fait 565 pages. Je sais pas si je pète un câble maintenant ou pas, mais ouais, ça va être compliqué cette année. Je pensais que le semestre 2, ça va être un peu plus simple, parce que déjà, on est beaucoup moins stressé, mais pas du tout, pas du tout, faut pas relâcher la pression. Bref, je mange et je vous retrouve, enfin, je mange, je finis mon putain de cours,
et je vous retrouve juste après. A few moments later. Bon, ça y est, il est 11h, je vais vous montrer mon cours. Je l'ai refait un petit peu pendant qu'elle parlait. Attendez, je vais vous mettre en partage d'écran. On va se décaler. Donc déjà, dès qu'il y a un thème, en fait, je fais une première page avec... en fait, c'est comme je vais l'imprimer, mon cours, eh bien, il me faut... et que je vais mettre dans un classeur, il faut que je puisse voir les différents thèmes et que je mette des post-it là-dessus. Donc j'ai fait le thème 1. Donc ensuite, il y a le chapitre 1, les rappels mathématiques. Donc ce que j'aime bien faire, moi, c'est ce genre de choses. C'est faire un petit carré comme ça. Faire un petit carré avec les formules, etc. Écrire avec l'application Studio. On me la demande souvent. Voilà, ça s'écrit comme un studio. C'est vraiment plutôt pratique pour faire les différentes écritures, genre chapitre, les trucs comme ça. En fait, c'est que avec Studio. Ensuite, donc je fais un carré, donc je vais vous montrer, enfin je vais essayer de vous le refaire vite fait. Donc vous faites un carré comme ça autour de l'image là, vous faites un petit trait, vous mettez votre texte, vous coloriez à l'intérieur et puis après ça fait ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli, j'ai fait ça pour mes fiches de statistiques. Je sais pas ce que ça a donné pour mes fiches, c'est beaucoup plus clair, enfin c'est beaucoup plus, enfin c'est joli, j'aime bien. Donc voilà, ensuite j'ai essayé d'importer les schémas, mais vraiment c'était un peu compliqué. Donc voilà, déjà pour le premier chapitre, après là franchement j'ai un peu galéré à essayer de l'organiser parce que c'était un peu n'importe quoi. D'ailleurs je vais peut-être rajouter des petits points pour me repérer, mais vraiment c'était un peu galère ça. Hein. J'ai du mal un petit peu à m'organiser pour son cours parce qu'elle va très très vite. Ensuite pour l'emprunt individu, donc vous voyez que c'est en blanc. Alors avant moi ce que je faisais c'était que je prenais un surligneur, voilà. Je vais l'augmenter un petit peu pour que vous puissiez me voir. Et après j'écrivais en blanc. Voilà, j'écrivais en blanc dessus, enfin voilà. Et puis j'ai découvert donc l'application Studio. Donc en Studio, qu'est-ce que je fais? C'est celle-ci. Je mets juste l'écriture en blanc tout simplement. Et ensuite, je fais d'abord le surlignage. Ensuite, je vais dans mes photos. Je recadre à ce que je veux. Par exemple celui-là. Et j'ai juste à le placer à l'intérieur. Et donc si vous avez un petit peu trop de surlignage, qu'est-ce que vous faites? Vous faites effacer uniquement avec le surlignage. Hop. Et voilà, ça te fait une petite, un petit titre assez sympathique. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je fais ça en fait pour mes parties, on va dire ça comme ça. Ensuite, ça là, j'ai repris en fait les mêmes tableaux que j'avais en comptabilité. Donc j'ai juste repris la méthode, etc. qui était beaucoup plus simple que ce que la prof racontait. Vraiment la prof elle l'a fait d'une manière hyper compliquée avec des trucs comme ça, enfin c'est... Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça je trouve. Donc voilà, ça c'est les exemples de la prof. Moi ce que j'aime bien aussi faire c'est donc marquer par exemple, je sais pas ce qu'elle fait la prof là, et mettre un petit surlignage sur le côté. Puis un remboursement par unité constante, voilà encore une fois ça c'est Studio et j'ai surligné juste au-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment plutôt pas mal cette application. Et enfin, l'emprunt obligataire, donc pareil, en studio. Pareil là aussi, voilà, j'ai fait la même chose. J'ai juste screené en fait tous les... Enfin, ce qui m'intéressait dans les diapos, je les ai rajoutés, je les ai surlignés. Et voilà ce que ça donne. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est d'abord écrire sur une feuille quadrillée au début. Et ensuite transformer cette feuille quadrillée en feuille avec des petits points là, vous savez, comme les bujots. Je trouve ça beaucoup plus joli quand tu imprimes, ça fait beaucoup plus clair, beaucoup plus... Enfin c'est uniquement visuel, hein. C'est beaucoup plus clair. Et je n'écris pas directement avec une feuille comme ça parce que sinon j'écris pas droit tout simplement. Donc voilà déjà pour l'instant ce que ça donne, je vais l'imprimer. Il y a des gens qui trouvent ça bête d'imprimer un cours que tu as, enfin, sur ordinateur. Moi j'ai besoin de ça, je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo de mon organisation pendant les partiels. Mais j'ai besoin de ça en fait pour m'organiser. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que tout simplement j'ai pété ma carte SD en deux. Donc il fallait que j'en rachète une et j'avais pas le temps la semaine dernière d'en acheter. Enfin je suis passée à Boulanger hier et j'ai pu acheter un autre adaptateur. J'ai pu récupérer toutes les données qu'il y avait dans ma micro carte SD. J'ai eu un coup de chaud, je vous avoue. Ça va être beaucoup un vlog blabla, je vais me tuer au montage. En plus j'ai une tête de déterré. Mais il serait temps peut-être de se préparer parce que je suis en Donald. Quoique c'est bien d'être en Donald aussi. Bon, je me suis fait une petite beauté entre guillemets.
Je viens de voir qu'en fait la prof elle a pas mis l'amphi, donc cette diffusion, en rediffusion. Donc je suis morte. En fait hier j'ai fait beaucoup de papiers administratifs et tout. J'ai fait des trucs de banque, les trucs de YouTube, tout ce que j'avais en retard en fait. Faut que je gère un dossier qui me casse les couilles depuis un an. Parce que ça n'avance pas, c'est des incompétents. Comme quoi faut toujours tout faire soi-même et pas déléguer. Parce que ouais, moi je... ça fait un an quand même aujourd'hui que j'ai fait la demande et que je n'ai toujours rien eu. On va aller se mettre dans le spot unboxing. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Ok Google, éteins la lumière terrarium. Ok, j'adore. J'arrête terrarium. J'adore. Ah, je vous ai même pas montré les chiottes, attendez. Le fameux Cellulette. J'ai fait les courses, j'ai acheté des petits princes et tout comme ça. C'est vraiment pratique le Cellulette pour ranger les affaires. Le coca, j'ai pris du jus d'orange, j'ai pris du Red Bull. J'en bois absolument pas, mais c'est quand des potes viennent à la maison et ils veulent se faire un Red Bull vodka. Voilà. Du lait. Et après, j'ai acheté pas mal de petits gâteaux. Il faudrait peut-être que je mette une petite étiquette gâteau. Avec des pommes potes et tout. Là, c'est tout ce qui... Ah, bah j'ai du café. Mais oui, Lisa, t'as du café. Parce que je me dis, merde, j'ai quasiment plus de café. Mais si, j'ai encore du café. C'est vraiment bien. Oui, j'ai mis les My Muesli ici. J'ai pris ce matin donc du yaourt avec des framboises et tout. C'était super bon. Mais je pense rajouter un petit peu de muesli pour que ça soit un peu plus consistant. En mode graine au-dessus, ça peut être plutôt pas mal. Les croquettes de prince, je les mets là parce que j'ai plus de place. Là, c'est un petit panier que j'ai reçu de Truffaut avec un... Enfin, c'était un panier garni. Et en fait, je vais le garder pour quand je vais à la ferme faire... Enfin, cueillir mes fruits et légumes. Ce serait plutôt pas mal, ce serait plus pratique. Là, c'est la litière de prince. Alors, on a pris celle de Costco. Elle coûte un peu moins cher qu'à Truffaut par exemple, mais je la trouve beaucoup moins bien. Donc voilà, j'ai acheté aussi du Lipton Ice Tea. Donc bah, ça vient de chez Ikea, on me demande assez souvent, ça vient de chez Ikea. On a acheté aussi un petit truc pour écrire ses toilettes, voilà. Des pâtes, lentilles vertes, etc. C'est plutôt pas mal. Ça je l'ai acheté à Alice Delice, donc c'est pour mettre tous les oignons, etc. Le craft et tout, enfin tout ça en fait c'est pour les quand je vais cueillir mes fruits et légumes à la ferme. Et là c'est mes tote bags. Écoutez, il est actuellement 12h20, écoutez on avance bien dans la journée. Hein. Écoutez, j'aime bien ce spot, au moins c'est assez lumineux derrière moi, on dirait que je suis un ange venu du paradis. La meuf toujours dans l'abus. Alors, pour mes petits achats, j'ai acheté un matelas gonflable. Mais ça, faut pas trop le dire parce que c'est vraiment en cas de nécessité absolue. Je déteste quand quelqu'un vient dormir chez moi. Je fais en sorte de ne pas avoir de personnes qui dorment chez moi. Je n'ai pas de canapé convertible, je n'ai pas d'autres lits, mais je me suis dit au cas où, vraiment, si un jour c'est une nécessité absolue, j'ai un matelas gonflable. Donc ça je l'ai acheté à Action, c'était 12€ ou 16€, je sais plus. Voilà, pour deux personnes, je sais pas s'il est bien, mais en tout cas... Enfin, en fait, faut pas que ça soit quelque chose de bien, parce que si tu dors bien dessus, les gens ils vont revenir dormir chez toi. Non, restez chez vous. Je suis vraiment une connasse. Ensuite à Action, je me suis acheté une petite pochette comme ça. C'est vraiment très très bien pour trier ses affaires. Ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, voilà, mon organisation post-partiel, etc. Mais j'ai pris ça, c'était 1€ et quelques. Vraiment, c'est super pratique. Et j'ai pris aussi 3 bacs de rangement comme ceci. C'est vraiment pas mal pour mettre les chaussures et tout dans le dressing. On va faire ça juste après. 1,59€ le classeur, 12€ le matelas et 3,39€ le petit panier. Donc franchement c'est super pratique, c'est vraiment bien, je mets toutes les chaussures dedans, ça n'est pas trop bordel, donc ça c'est vraiment cool. Et je suis passée aussi à Ikea, j'ai acheté une serviette, donc ça je l'ai déjà en immense, mais je l'ai pas en moyenne, donc ça serait plus pour les cheveux, parce que quand tu mets la serviette immense pour tes cheveux, t'es comme ça pendant je ne sais combien de temps. C'est chiant. Du coup voilà, j'ai acheté ça, la serviette, et j'ai acheté aussi des gants de toilette. Et j'ai acheté aussi une assiette en marbre. Elle est vraiment, enfin en marbre, elle fait marbre, elle est vraiment très jolie. Vous pouvez la prendre en tant que vaisselle, sauf que moi je l'ai prise pour les gâteaux. Quand tu veux faire un gâteau rond et tout, au moins bah, t'as ça pour présenter. Parce que j'ai beaucoup de plats carrés et rectangulaires mais jamais ronds. J'utilise toujours mon assiette mais là au moins ça serait vraiment dédié à ça. Elle est vraiment très jolie l'assiette.
J'aime beaucoup. La serviette, 5,99€. Les gants de toilette, 3,99€. Et le plat, 6,99€. Donc c'est pas donné le plat quand même, c'est 7€. Ensuite, je suis passée au magasin interdit. Je n'y allais jamais. Vraiment, c'est une catastrophe. Ils remboursent pas, ils font que des avoirs. Il y a toujours des trucs qui sont cassés et tout. Franchement, c'est une catastrophe. J'ai failli prendre beaucoup de choses. Mais je me suis rappelé que vraiment c'était galère de se faire rembourser. J'ai juste pris deux bols. Et encore, dans l'un des deux bols, j'en ai pris un qui était cassé sans l'avoir vu. C'est le monsieur qui me l'a dit. Donc pour vous dire, vraiment, c'est de la merde ce magasin. C'est My Cozy Shop. C'est une sorte de Jiffy. Mais en gros, t'as tous les produits sont abîmés. Genre. Et c'est le même prix que Jiffy. Genre, y a pas de démarque ou autre. Genre, c'est vraiment de la merde. Bref, j'ai acheté deux bols à soupe. Voilà, je sais pas pourquoi, je les ai vus, je les ai trouvés trop beaux. Donc le premier, il est vert, franchement je les trouve trop beaux. Il y en avait un vert, un orange et un jaune. Le jaune était beau, mais... Oh, je vais le buter. Ah, putain, c'est pas possible. Bon bah, pas de plat, hein. Je vais pas m'en racheter un, cette balle quand même. Ah, je suis dégoûtée. Mais c'est Prince qui a fait tomber ou c'est le truc qui est tombé tout seul? Ah, JPP. Non, Birdy, va dans le panier, mon cœur, je vais ramasser. Bon, excusez-moi, je dois ramasser une assiette pétée en 1000 morceaux. Je suis ravie. Ah, je suis dégoûtée parce que je l'aimais beaucoup, l'assiette. Mais j'ai pas envie de remettre 7€ dans une assiette. J'ai le seum. Bon, du coup, qu'est-ce que je disais avant de casser ma fabuleuse assiette? Je vais essayer de pas casser les bols, ce serait con. Donc, chaque bol coûte 4€ et je le trouve vraiment trop joli. Franchement, des petits bols à soupe. Enfin, j'ai des bols, hein, mais je sais pas, je les ai trouvés trop mignons. Et l'autre est comme ceci. Je la trouve trop mignonne. Bref, j'aime trop. Ces couleurs-là sont trop jolies. Ensuite, je suis passée à Undies. J'ai acheté de la lingerie. Mais je sais pas si je vais garder. Donc c'était la nouvelle collection de Undies. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je sais pas, bref, en gros c'est de la lingerie. Il n'y a aucun bonnet et tout, il y a un petit peu des lacets. C'est assez joli porté. Et il y a la culotte qui va avec, c'est vraiment une culotte basique. Et j'avais pris aussi le soutif avec bonnet. Mais en fait je vois que je supporte vraiment plus tous les soutifs comme ça avec des armatures. Déjà j'en mets même pas de soutif, mais là encore moins. Donc voilà, il était plutôt joli et tout, avec des petits lacets et tout. Mais c'était, enfin non, je vais me faire rembourser ça parce que je ne supporte plus. Donc voilà déjà pour la petite lingerie, vite fait. Et je suis passée aussi à Truffaut. J'ai acheté de l'herbe à chat à mon chacha. Je sais pas si vous allez voir, il est là. Et en fait, j'ai mis dans la grande bougie de ma jolie candle. Genre en fait, ça rentre pile poil. Au moins, si vous voulez recycler vos bougies, moi je fais ça. Je fais soit pour des pots, pour les plantes, soit pour l'herbe à chat. Et donc à Truffaut, j'ai acheté un petit mangeoir pour les oiseaux. Alors je sais pas ce qu'il m'a pris. Je voulais que les oiseaux, ils mangent. Donc tu mets les graines au-dessus, voilà. Et en fait tu peux l'accrocher sur le mur. Donc je sais pas comment je vais faire pour l'accrocher. Et en fait... Ah oui, j'arrive. Ah, c'est bien, c'est bon. C'est pas grave, j'ai tout ramassé. Ah, s'il est en bout de sel. Ah, peut-être il va... C'est de la papi. Principalo. Non, il a vraiment eu peur. J'irai chercher après. J'ai acheté ça, en fait c'est de la marque Paradisio, donc c'est pour les mésanges, en fait c'est avec des verres et tout, c'est un mélange premium, voilà. Et en fait ça coûte, je trouve que ça coûte très cher. J'ai voulu acheter à Action les graines etc, mais à Action vraiment les graines elles faisaient vraiment pitié. Vraiment pitié. Donc j'ai pris ce mélange pour les oiseaux du jardin. J'espère que ce ne sera pas des pigeons qui viendront bouffer ces graines là. Logiquement non, parce que j'ai payé quand même 11 balles ce putain de sac de graines. Ah, mon chacha, il est là. Mon chacha! Mais viens, t'as eu peur, espèce de con, va. Regardez-moi comment il est beau. Il a tellement de poils, genre ses poils, ils poussent mais à une vitesse et ça fait tellement de nœuds. Ah, mon chat, il a des nœuds de partout alors qu'avant, il n'en avait pas du tout. Et pourtant, je le brosse tout le temps. Donc voilà, ça, c'est le petit mangeoir, là, comme ça, c'était 12€, je crois. Et voilà, on va installer ça aujourd'hui. Et la cerise sur le gâteau, les amis, j'ai enfin reçu ma figurine Donald. C'est une figurine que j'ai achetée au mois de juin à 280€. C'est vraiment une figurine collector et tout. Franchement, elle coûte pas cher par rapport à ce qu'elle a. Genre, en fait, c'est en bronze. Elle est numérotée, il y a un petit certificat et tout. Vraiment, c'est hyper quali. J'aime trop, voilà, j'aime trop, c'est trop beau. Et maintenant, elle se vend, plus en précommande, mais en mode normal. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de stock, mais en tout cas elle se vend 100€ plus cher, maintenant elle se vend 380€ et moi je l'ai acheté sur Cadeau City.
Donc voilà, j'achète toutes mes figurines là-bas. Franchement, j'ai jamais eu de problème. Vraiment trop trop bien. Et ils font plusieurs figurines en bronze comme celle-ci. En plus, elle est hyper haute, elle est hyper lourde. Donc voilà à quoi elle ressemble avec la petite pièce là. J'ai la même chose mais en porte-clés. Genre j'aime trop. Il y a les petites lunettes et tout. Franchement, c'est hyper, hyper quali avec les pièces. Le petit sac et tout. Franchement, c'est trop bien. Et j'ai le numéro 891 sur 999. Donc voilà, j'aime trop. Ah, mon chachao ! Du coup, il faut que je trouve une place pour cette figurine-là. Donc, je l'ai mise dans le bureau. Mais j'aimerais bien la mettre peut-être là-haut. Parce qu'en fait, là, c'est la statue de Rémi. Mais comme ça, à mon ex, je pense qu'il va la reprendre. Quand il la reprendra, je mettrai Picsou là-haut. J'avoue, Rémi, c'était plutôt pas mal parce que c'est dans la cuisine. Du coup, ça allait bien. De base, cette figurine, je l'avais mise ici. Mais je trouve qu'on la voit pas trop. Genre, on voit pas tous les détails. Et elle est vraiment très, très lourde. Donc, je sais pas si... Après, moi, quand mon ex il va prendre ses affaires, il va prendre ça, il va prendre ça, donc il y aura beaucoup moins de choses là. Et je sais pas si ça pourra supporter autant de poids. Parce que c'est vraiment très lourd. Et je voulais le mettre aussi là-dedans, sauf que c'est haut aussi. Donc c'est vraiment galère à mettre. Je voulais le mettre là aussi, mais c'est beaucoup trop haut. J'adore ma figurine, elle est trop bien. Du coup, voilà, écoutez, pour l'instant, je la mets là en attendant que mon ex reprenne toutes ses affaires. Ah oui, et quand il va reprendre ses affaires, on va refaire une organisation dans tout l'appartement, vu qu'il y aura un peu plus de place, pas beaucoup plus, mais un petit peu plus de place. Il y aura, je pense, des choses à racheter aussi, genre les poêles, etc. Enfin, tout ça, c'était à lui. Les couteaux que je lui avais offerts pour son anniversaire et Noël, bah c'est à lui, du coup, il faudra que je me rachète des couteaux. Enfin, ce genre de choses, de petites conneries. Donc bref, voilà pour les petits achats. Donc on va installer un petit peu tout ce bordel. Ah, ça me dégoûte, j'ai des verres. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Oh my god, pourquoi je fais ça? Ah, ça me dégoûte, j'ai des verres. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte. C'est dégueulasse, mais fortement dégueu. Il y en a partout, ça me dégoûte. Alors, c'est dégueulasse. Je suis une meuf fragile. Maintenant, il faut l'installer. Je vais l'installer où? Bonne question. Les amis, je l'ai mis sur ma table, mais je suis à 100% sûre que ça va jamais fonctionner. Je voulais le mettre sur la rambarde, mais sauf que c'est un peu compliqué. Genre, c'est un peu bancal. Il faut que je perce le mur et vous vous doutez bien que je ne veux pas percer un mur. Écoutez, on va faire un test. Après, j'ai voulu le mettre sur ma jardinière. C'était un peu bancal aussi. C'est un test. Voilà, on va tester. On va aller... Mais je suis sûre et certaine que ça va jamais fonctionner. Ensuite, pour le bac de rangement, je vais vous montrer ça. Donc voilà en fait comment j'ai rangé. J'ai mis toutes mes chaussures à l'intérieur. Au moins, c'est pas du tout dégueulasse. Vraiment, genre c'est trop trop bien. J'ai mis mes autres chaussures là aussi à l'intérieur. Là aussi, il y a un autre bac avec plein de conneries. Alors, je suis désolée, la caméra, elle n'arrive plus du tout à suivre les mouvements quand il n'y a plus de lumière. Donc je vais vous montrer après ce que ça donne. Et voilà, c'est beaucoup mieux organisé, beaucoup mieux rangé. Je suis ravie. Au moins, c'est beaucoup plus propre. Parce que vraiment, quand tu dois ranger des sandales et tout, vraiment, c'est une galère. Je me suis acheté des tulipes à Lidl il y a... je sais pas moi, il y a une semaine. Elles ont déjà une gueule, mais laisse tomber. C'est ridicule. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller me faire rembourser déjà mon soutif à Undies. Et aller faire deux, trois petites courses. Genre, j'ai juste à acheter du cappuccino en poudre pour pouvoir le mettre dans mon thermos et l'embarquer avec moi en cours. En fait, j'ai une flemme d'aller à Carrefour juste pour mon cappuccino en poudre. Oh, la flemme est en train de primer sur ma personne là. Et j'ai envie d'un McDo. Depuis 3 jours, j'ai envie d'un McDo. C'est horrible. Vas-y, on se fait un McDo. Il est 13h13. J'adore ce chiffre. Bah écoutez, on va faire un McDo. Tout ça pour un McDo. C'est le McDo qui m'a motivée. Bon allez, je sais pas si je prends la caméra parce que c'est galère à chaque fois que tu me mets une caméra à Belle Épine. Mais c'est parti. Alors par contre, Prince, tu me fais pas tomber mon Picsou. Hein. Je sais pas si c'est toi qui a fait tomber mon assiette. Je t'accuse alors que j'ai pas encore vu les images. Bref, gigot et on se retrouve pour un petit McDo. Ah, j'ai fait les courses. Je pensais pas prendre autant mais... tellement mal au cou, vous me voyez absolument pas, ce n'est pas grave, vous ne perdez rien. Allez, on va manger. J'ai pris McDo, je n'en peux plus. J'ai pris un McFlurry, ça fait depuis cet été que j'en ai pas pris un. Il fait genre moins 15 dehors, mais moi je prends un McFlurry.
la boisson, les sauces, les frites, les chicken et le Big Mac sans oignon. Voilà, c'est ça mon menu de base. Je vais manger ma glace. Oui, moi je suis une personne qui mange d'abord le dessert. Parce qu'en fait ça fond et j'aime pas quand c'est fondu, c'est dégueulasse. Même si tu le mets au congèle, c'est hyper bizarre. Je vais vous montrer mes courses. Donc j'ai pris ça, c'est le cappuccino vanille. En gros, ça tu mets quelques cuillères à café dans ton thermos et tu mets juste de l'eau et tu remues et voilà, c'est du soluble. Donc ça c'est vraiment cool. C'est économique aussi. Donc si tu veux prendre un thermos pour aller à la fac, pour boire ton café et tout, faites avec ça, c'est beaucoup mieux que prendre une capsule. Parce que pour remplir le thermos, il faut au moins 3 capsules à café. Là c'est moins cher. Je me suis pris de la raclette. J'avais envie de raclette, je sais pas, voilà. Il y avait des promotions pour les Babybel, donc j'ai pris deux fois les Babybel. C'était le deuxième à 1-60, un truc comme ça. J'ai repris des bananes, j'ai repris du Caprese Dieu. J'ai pris aussi des trucs chinois-japonais, là. En gros, c'est troisième offert, donc j'ai pris de la sauce teriyaki, parce que je crois qu'on en a plus. Enfin, j'en ai plus. La sauce soja sucrée, je n'en ai plus. J'étais en PLS la dernière fois quand j'ai pris sushi. Et j'ai pris aussi un truc de soupe miso. J'ai pris aussi des avocats. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Et j'ai pris aussi des petits post-it comme ceci. Il m'en fallait. Je voulais vous montrer un truc. Vous savez les lilos là? Ah, vous voyez là, vous voyez ça? Bah en fait, ça s'allume et tout. Ça permet à la plante de vivre, de se nourrir, de machin, bidule chouette. Mais en fait, j'ai trouvé une tactique pour les avocats. En fait, j'ai mis la corbeille à fruits juste devant. Je mets ça ici et donc en fait il y a la lumière qui se projette sur les avocats et du coup les avocats ils mûrissent. Mais genre ils mûrissent bien, ils sont pas en mode pourri et tout. C'est un truc de ouf, genre cette lumière là, elle permet de faire mûrir les avocats. Ouais ça va, vous inquiétez pas, ça va très très bien. Je vais rebosser aussi un petit peu mes cours, je vais voir un peu ce qu'il faut faire. Donc bon, je vous reprends juste après. Bon, je viens de finir de refaire un petit peu mon cours au propre. Enfin, j'ai fait une introduction que je n'avais pas vu que j'ai loupé une demi-heure au début et ma pote a envoyé son introduction. Du coup, j'ai un petit peu refait. Il me manquait pas grand-chose, donc ça allait. Et j'ai tout scindé en une seule page pour le chapitre 1. Donc, bah, je vais imprimer ça et je vais le mettre dans mon petit classeur. Donc, c'est dans cette petite pochette-là. En gros, il y a des feuilles plastifiées et ça se détache. Et ça qui est vraiment pratique pour moi, c'est les feuilles détachables comme ça. Donc là, je viens de noter, je sais pas si vous allez bien voir,
Mais j'ai noté en fait toutes les matières pour pouvoir les classer mes feuilles dedans. On va faire dans une prochaine vidéo mon organisation post-partiel. Du coup, on va faire un peu mieux. Enfin, je vais vous montrer un peu mieux en détail. Donc là, c'est mes feuilles. Vous voyez que la qualité, elle est vraiment bien. En fait, je les imprime un peu au fur et à mesure parce que j'ai un abonnement avec HP. En gros, pour 1€ par mois, t'as 10 feuilles d'imprimés offertes. Donc t'as plusieurs types de forfaits. Moi, j'ai pris le forfait avec 150 pages par mois parce que là, le mois dernier, au mois de janvier, là, j'ai fait vraiment beaucoup d'impressions. Du coup, voilà, vous avez différents forfaits avec HP et c'est vraiment bien. Donc si je veux économiser des sous, il vaut mieux que j'imprime au fur et à mesure. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'imprimer mes cours, les avoir sur papier, les avoir dans ma pochette plastifiée pour mieux suivre, pour mieux comprendre. Et voilà, donc après, je mets ça dans ma petite pochette gestion financière. J'imprime pas tous les cours parce que des fois, c'est pas très utile, mais j'imprime tout le temps les TD. C'est sûr et certain, j'imprime tous mes TD, toutes mes fiches de révision, je les imprime et je les mets dans ma petite pochette. Donc voilà, et j'ai aussi acheté ça à Action la dernière fois, ça m'a été vraiment beaucoup utile pour mes cours. C'est ce petit, vous savez, petit calepin comme ça, ça rend pas cher et ça m'a permis d'avoir des feuilles de brouillon. Enfin bon, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo tout ce que j'ai utilisé pour mes partiels, mais il y a une pile à côté de moi. Voilà. Voilà le bordel actuellement. J'ai hâte de filmer ma vidéo parce que j'ai envie de ranger tout ce bordel. C'est perturbant. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. On va faire une FAQ. Une FAQ post-rupture. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me poser des questions concernant ma rupture, genre après, etc. Concernant, je sais pas, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas voilà, à me suivre sur Instagram parce que je vais bientôt faire la FAQ. Peut-être le dimanche, quand vous verrez cette vidéo, je mettrai un petit onglet dans ma story. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker mon Instagram qui est ElisaBRTOff. Et voilà, écoutez, je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. Il est 18h, je pense que la vidéo est très longue. J'ai fait beaucoup de cours parce que je sais que ça peut vous intéresser. Enfin, c'est assez relaxant de voir des cours. Enfin, moi, j'adore ça. Voilà, parler un petit peu plus de ma vie étudiante. Donc, écoutez, je pense que je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait vraiment super plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans ces vidéos qui se ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.